Salut à tous, ici The Kraken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de Until Dawn. Et c'est de la tension! Précédemment, on a vu quoi? On était avec Ashley et Chris, ça a duré pas mal de temps. On est de plus en plus d'indices et plus en plus tendus. On avait retrouvé Sam, qu'on voit ici, mais on s'est fait enlever par le psychopathe à nouveau. Les deux sont fait enlever, Chris et Ashley, et ils se sont retrouvés face à un dilemme, et j'ai décidé de ne rien faire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je suis mort, tronçonné? On verra bien. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait le conseil qui me disait de ne rien faire. Alors on verra bien. Et là, on se retrouve avec Sam et Mike qui vient de trouver Sam. Donc là, on se rapproche de lui. Hop! Fais ça encore un coup. Allez, vas-y, coupe-moi ça. Oui, c'est bien. Allez, coupe, coupe. Voilà. Ça se fait. Ouais, elle doit avoir les jambes défoncées. Putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Tes doigts, t'as mal à la fuite. Oh putain, tes doigts, Mike! Ouais. Ouais, je m'en sors bien. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain de psychopathe là dans la montagne. Il. Je crois qu'il veut tous nous tuer. C'est pas, je crois, c'est sûr. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre, déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel! Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Je me le demande aussi. Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. On dirait qu'on rejoue. Sam, c'est parti. Y a pas un totem dans le coin juste. Oh, y a rien. Mais on a. Pour vous rappeler ce qu'il y a eu. Attends, c'est quoi ça? Non, mais le mec, il a une de ses caméras. Et il s'est fait un petit film. Illégal avec Sam, hein, on va dire. Hein. On voit bien que la serviette de Sam, elle était un peu souillée sur ce coup-là, un peu salie, un peu noircie même. On va dire. Ben, on va avancer. Allez, c'est parti. C'est celle-là, la porte. Deux portes. Attends, on va déjà ouvrir celle-là. Avec Mike derrière. C'est bien comme ça, Mike et Sam ils sont ensemble. Voilà. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après réflexion, la serviette c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Oh, oui. Mais genre, il y a des vêtements ouais. Dans ce sac. Pardon. Bah, bien sûr. Ils ont tout laissé là. Est-ce qu'il va se permettre de mater? Nous, en tout cas, on le fait. Dommage. Ok. J'aurais préféré qu'on m'envoie plus. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est. Quelqu'un qui pleure. Non! Non, non, non! Dégage! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi, ça? Tu as déjà entendu parler des balles à blanc? Non, sérieusement. What? Josh! Oh, sérieux? Putain. Oh, bordel! Matt! Oh, elle est là. Matt! Non, mais putain, Josh! Mais what? Il est en train de jouer. Oh, merde!
arbre, Matt. Donc c'est en gros là pour l'instant ça veut dire que Matt ça se soutient. Je suis encore plus occupé. Faut faire gaffe. D'accord. Non. Oh merde. Merde. Wow. Wow. Ok. Je la déteste, mais bien joué quand même. Jusque là. Défoncer la jambe. On sait qu'on peut avoir une mort en étant cramé. Et vu le feu qu'il y a autour, je pense que c'était à cet endroit que ça voulait parler. Bon. Oh merde! 600 dollars dans le vent! J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Okay. Sinon c'est cool. Ah bah là elle se démerde hein, quand elle est toute seule. Hein. Putain. Fatigue. Dépression. Alors là je suis même pas sûr. Là il y a la seule au prix. Quelque chose là. Ok, c'était ça, c'était l'endroit où il y avait avec Mike et Jess au tout début, dans la petite, dans le petit truc comme ça. Hop, allez, on avance, on marche, marche, marche. C'est parti. On marche. On descend plutôt. Ah là, c'est mieux dire ça comme ça. Non, franchement, là, ça devient vraiment tendu. On a vraiment beaucoup de révélations sur ce coup-là. C'est. Il y a tout qui s'enchaîne, j'ai envie de dire. Ça commence à devenir vraiment la merde. Ouais, par là. Allez, hop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Prends ça. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que ça disait qu'il y avait un élévateur là. Ouf. Ouah, moi je suis comme ça là. Là j'essaie de survivre le plus que je peux. Mais bon, ils ont dit que c'est une mort. Et normalement la mort c'est la personne qui ramasse elle-même. On tue le mort de la personne qui le trouve. Donc ça, ce serait une mort de Chris. Donc il y a Chris qui se retrouvait par là. Là, il risque de se faire exploser. Conseil. Un conseil, c'est pour qui? Conseil, oui, ou un, pour un choix que vous devrez faire. Monter, ouais. Ça, c'est ce qu'on avait fait. On avait lâché le truc. Ça, c'était ok. C'est bon, maintenant on a tout. Maintenant qu'on a tout ça, on peut avancer. Attends, il y a quelque chose par là. D'accord. Attends, non, non, non. Ils nous l'ont dit. Je m'en souviens. C'est pas ça. Attends. C'est pas là qu'il y a le moulin. Putain, mais il y a trop de trucs à regarder. Attends. Attends, c'est là. Attends, c'était là qu'ils nous ont dit, conseil. Ça doit être, ça devait être là, hein. Parce que là, il y a plusieurs choix pour monter. Attendez, c'est pas là. Conseil, conseil, conseil. Ça devait être celui-là. Regardez. C'est peut-être ici. Je ne sais pas. Moi, je dis ça pue de prendre... De prendre comment ça s'appelle. Attendez, je regarde juste la basse qu'il y a.
Ils nous l'ont dit que ça puait de... Enfin, je suis pas sûr. Mais moi, je suis pas sûr. Voilà. Ok, machine de pointage. Ouais. Ah bah, ils ont mis du feu, on sait qu'Emilie, elle est morte cramée. Est-ce qu'on devrait prendre l'élévateur ou pas? Bah, on peut tenter de toute façon. Vas-y, allez, on tente l'élévateur, parce qu'on est des flemmards. Ils ont rien dit au sujet. Vas-y, attends. On a grippe, on abaisse. Merde! Oh, de toute façon, il ne fonctionne pas. Comment ça s'allume ce truc? De toute façon, on est obligé d'y aller. Ça va être simple. Ça fait moins de choix à faire, tant mieux. Bon, on sait qu'on va devoir prendre les... l'échelle, voilà. Hop, par là. Allez, monte, monte, bah monte. Hop, hop. En attendant, en faisant attention s'il y a des QT ou pas. Vas-y. On va retrouver Ada et... Enfin, leur squelette. On va les retrouver. C'était pas là où elles étaient tombées? Enfin, ça m'a fait penser à la même chute. Oh, c'est la merde. C'est du gros caca. En tout cas, c'était un super toboggan aussi. Non, oh, grave dégueu. Là, y a, je suis sûr que c'est les squelettes d'Anna et Jess. À moins qu'il n'y en ait pas que deux. Il n'y en a pas que deux. Ok, d'accord. Et si c'est l'histoire cliché de vengeance par rapport à Josh, moi je dis que c'est un peu vidé. Le frère qui veut se venger et qui est psychopathe, je veux juste savoir comment il a fait pour intervertir en se faisant trancher. Là. Qu'est-ce que c'est? Un totem, faites juste ce soir un totem. Oh, un totem. Étrange. Non, pas du tout. Vraiment étrange. Pas de totem. Pas de totem. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vas-y, monte-moi. Ouvre-moi la voie. Une photo. Ça c'est la mine. Reviens vite chez nous, sain et sauf, de ta tendre épouse et de ta fille. Dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça. Une échelle. Ok. Donc on a un véritable... C'est un véritable saccage tout ça. Je vois pas trop ce que ça va faire de sauter. On va grimper. Oh, carré. Encore un. C'était à droite, atteindre. Bon. Carré. D'accord. Et là, on fait une chute. Si on fait encore une chute d'échelle, je détesterai les échelles à vie. Là, il y aura un truc en face de nous. Ça va, y'a rien. Pou 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 pou. Bon, une fois que je la joue sur T, parce que d'habitude je la fais tout le temps en speed l'histoire. Hop, par là, allez, on avance. On avance. Mais j'ai pas envie de tomber sur la saloperie qui a buté Matt. C'est devenu ma phobie. Matt, il est plus là, arrête. Je vois même pas où je vais, quoi. Voilà.
On voit très bien ce qu'on fait. What? Allez, putain de merde! Plus de batterie! C'est la fin de ton téléphone. C'est le même enfant qu'on voyait au début avec Anaïs Boss. Même feu. Est-ce qu'on va se taper la même chose? En tout cas, c'est là où on va se prendre le vrai danger. Il y a moyen de mourir à ce moment-là. Il va falloir que je fasse très gaffe. Waouh, on a fait tout le chemin pour en arriver là. Qu'on est revenu au point de départ. Enfin, on est revenu où on voulait en être. Allez, hop. Marche. Okay. Enfin, un truc qui marche. J'ai enfin raison, yes. Bon. Non, ça va être quoi la suite? Comment on va faire pour redescendre? Ça, c'est ce que je voudrais savoir. Ce que je voudrais savoir, comment on redescend. Ah bah, par là. Très bien. Super. J'aimerais qu'il me donne les mêmes... J'aimerais qu'il m'indique le chemin. Pas pour de la merde, mais... Pas pour des emmerdes, mais le chemin quand même. Attends, là on vient en arrière. On est d'accord. Attends, non, je suis nimp. Attendez, on va remonter. Et on va aller plus devant. De toute façon, ça sert à rien de revenir en arrière. Voilà, c'est par là. Vous avez bien que je m'étais gouré de chemin. Ne me dites pas qu'il y a quelque chose dans le coin, ça me ferait mal. Ça me ferait mal partout. Attends, là. Là, voilà. On avance. Non, franchement, Inchill, c'est vraiment un bon jeu comme, enfin, comme je les aime. Première fois que je fais un jeu comme ça, et franchement, c'est vraiment kiffant de jouer à ça. Ça me fout les boules quand je crée, mais c'est quand même kiffant. Un totem, enfin! Oh, putain, alors montre-moi ça. C'est quoi comme totem? Un totem du danger. Le totem du danger! Le totem du danger! Le totem du danger! Le totem du danger! Si ça se trouve, j'ai mal interprété aussi le... Bon, enfin... c'est un danger pour qui, déjà? La menace d'un danger à venir. Je sais pas c'est qui. Bah, en tout cas, faudra faire attention à une main qui traîne. Sinon, elle viendra t'attraper. Et te bouffer. Elle viendra défoncer la gueule, surtout. 19h36, hop, par là. On continue. On a allumé le courant, mais... On continue de s'enfoncer dans ces putains... On se croirait dans les entrailles d'une bête. Oh, elle s'est mise à sprinter. Oui. Ah oui. Oh oui. Je crois vraiment que tu vas l'attendre d'ici. Allez, vas-y, redescends. Oh merde. Elle a vraiment cru qu'elle allait attendre la surface. Escaladeuse de l'extrême. Van versus Wild, comme on dit, hein. Bien sûr. Toujours. Toujours plus, surtout. Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Je te jure. Là. Qu'est-ce que c'est? Se trouve, le Josh, il avait... tant kiff sur ses sœurs. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu vas... Attendez. J'ai même pas réussi à lire. Casse les couilles. Quand est-ce que tu t'en fais un baisse? Ok, d'accord. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Par là? Ah, il y a un truc. Attends. Lunette de... Attends. C'est lunette de qui? Pas lunette de Chris. Anna? Ah non, c'est lunette d'Anna. Qu'est-ce qu'elle foutait là, les lunettes d'Anna? C'était pas du tout l'endroit où elles étaient arrivées. Je vais récupérer ses lunettes. Je veux la photo du monde. Déjà, il y a des. On va dire des photos d'Annette bêtes, il y en a de partout quoi. Même dans la mine quoi. Mais qu'est-ce que ça fout là? Non, tu vas voir leurs vêtements, affaires personnelles, la totale. Hop. Qu'est-ce que ça fout? Oh! C'était exactement il y a un an. Qu'est-ce que ça signifie? Attends. C'est quoi cette merde? Ah, enlève ce. Enlève ce feu, je vois rien. 02-02-14. 2 février 2014, peut-être. A voir. Sinon, non, faut que je revienne en arrière. Ah, oh, bah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? On pousse. On baisse. Oh, c'est pas vrai. Oh, y'a un mec. Il a mis 2-2-14. Y'a un mec qui a fait les tombes de baisse. Oh putain. Donc, quelqu'un qui serait attaché à baisse. Et Anna. On est d'accord que c'est. Attends, baisse. 2-2-14. Putain, c'est vraiment la merde. Il y a juste de comprendre à quoi ça sert les chiffres. Et après, par où je dois passer? Parce que là, je suis complètement paumé en fait. Là, oui. Ah là! Là, ça ne sert pas là, là. Voilà. Pouf, j'ai enfin trouvé le chemin. Est-ce que je me suis complètement paumé. N'importe quoi. Hop, non, arrête. T'es en train de réfléchir, j'étais en train de faire une réflexion. What? Dégueulasse ce plan. Non! Oh, c'est Bess. On vient de trouver le corps de Bess. Oh là. Tu peux pas retourner? Non, j'y retourne pas, ça me fait trop. Non, moi je pensais que c'était une petite poupée comme ça. En fait, pas du tout, c'était littéralement le corps de Bess. Putain. Oh là là, on vient de trouver le corps. Mais c'est dire qu'il y avait le corps d'Anna pas loin. Qu'est-ce qu'il fout avec Bess? Le mec, il jouait avec le corps, enfin. Il y jouait. L'utiliser son corps quoi. Oh, Bess. Oh, dégueulasse. C'est, il y a juste sa tête. Bon allez, on est parti. J'ai assez perdu de temps comme ça. Continue d'avancer. Putain, hey, mais franchement, on a vraiment plein de relations. On a plein de révélations en ce moment là. Je vous le dis, ça approche la fin, c'est sûr, c'est sûr. Autant de révélations d'un coup là. On trouve le corps de Bess. Le corps de Anna, c'est bizarre qu'on le trouve pas. Alors, il doit être possédé ou un truc de genre. Genre, ils ont dû lui raconter la vérité à Josh. Josh l'a appris et maintenant il veut se venger. Il l'a appris à traverser ça. Enfin, Bess, non. Il se trouve Anna, parce que Anna, c'est bizarre qu'on ait pas trouvé le corps. Alors que les deux étaient côte à côte. Alors quelqu'un aurait récupéré les corps d'Anna et Bess. Oh allez, prends-toi. Oh non. Oh non, pitié, va par là-bas.
J'ai arrêté de parler. Hein. Reviens ici. Et violée. Je vais le louper. Encore. Ok, là c'est séance coupée. Je vais faire un peu de séance coupée. Il est encore là. Est-ce que j'aurais dû, je sais pas. Je trouve que c'est ça qui va me tuer, parce que je voulais dire, moi, on a vu, on était mort cramé. Mais c'était lui qui a dû nous cramer, hein, de toute façon, c'est clair. Oh mon sang! On ne sèche pas. C'est caché. On va pas revoir. Oh putain. Mais comment j'aurais pu rebrousser chemin? Josh. 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 Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sorti. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique pavlovienne. Il a utilisé le corps de sa sœur. Le sang, c'était un festival. Faux cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir en tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Oh putain. Hé! Hey, les gars! Sérieusement, c'est débile, vous savez? La ferme! Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh, mais enfin, de quoi tu t'as parles? Frappé Ashley, sale ordure! Oh, je suis devenu dingue! On frappe pas une fille! Ça se fait pas! Chris, sérieux, mon pote? Chris, je suis pas ton pote! Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote! Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin! Allez! Enfin quoi, j'ai rien fait du tout! Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es! J'ai vraiment rien fait! Mike, pitié! Putain, Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess! Comme son pote, moi. Mais t'es malade? Putain, je crois pas! Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur! Putain! Bah, bien sûr. Moi, je réunis les gens! J'ai complètement t'as rien. Rien à dire. Ça suffit! Rien à dire de plus, rien à ajouter, rien. De toute façon. Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es ferme la vague.
Pou, pou. Tu es grand. Mike. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour. Oh, pardon, je t'ai fait mal. Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé. Arrête. Stop. Mike. Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument c'est rien. C'est trop bizarre. Ça. Faut pas que c'est lui. Je me suis en écoute colère. C'est bizarre, même s'il est taré. Moi je pense pas qu'il. Je pense pas qu'il soit parti sur ça, c'est trop bizarre. Parce qu'on... Comment il aurait pu attaquer Jessica alors qu'il était déjà dans la maison en train de faire quoi, sa blague, c'est une blague J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. Surtout comment il aurait pu faire un truc. Ce qu'il lui a fait. De mes propres yeux. Ça. Ça. C'est son sang. Ok, on peut passer à autre chose. Putain. Mais c'est devenu fou. Plaisante pas. C'est pas juste. Non. Ça te fait pas du tout. C'est vraiment. Ça me fout vraiment mal. Hein. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Vous êtes une bande de sales brutes. Vous pouvez pas. Ouais. Partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Ah oh. Stop. Oh, la ferme, t'es le plus grand trouillard qui soit. Ah ouais? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. Ouais. J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre. C'est bien trop tendu, je peux même pas rire, je peux même pas rire avec vous tellement que c'est tendu. Je peux même pas faire de commentaires tendus parce que je suis trop pris dans le truc. Ça met trop... Ça me met trop... Ok, obligote là, ok? Bouge pas, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Ouais, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux... Je peux plus bouger. Des liens en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Oh. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard. Stop. Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, oh, tu sais. Elle devrait aimer ça. Putain. T'es vraiment pathétique, Christophe. Je vais lui arracher la tête. Non, l'écoute pas. Laisse tomber. Hey, Mike. Il fait vraiment des commentaires Mike. De merde. Quoi? On va s'enchaîner. Si on parlait de Jess, Mike. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, trop c'est que... Révélation. Je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule. Hop et Josh, désormais. Sérieusement? Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer? Je sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non? Ouais, la prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Oh, oui,
ils sont trop mignons. Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement. Laissez faire les pros, les mecs. Tu devrais aller au chalet pour t'assurer que tout va bien. Cette tarée et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, j'ai fait ça, mais je sais pas si ça a juste changé la scène. Eh, on commande des pizzas. T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. Ça sert à rien de le tuer. Ça sert à rien de le frapper, de toute façon il demain matin. Oh, quoique j'aurais peut-être dû lui frapper pour au moins l'assommer. Oh là là, putain. Ah mais il y a eu trop de trucs là. Il y a des révélations. Josh qui a fait son pétage de câble à Total. Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles. Non, 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 non. Parce qu'elles sont mortes. Jessica est morte, putain. Quoi? Fais des conneries. Non mais franchement là il avait l'air vraiment surpris quand il lui a dit qu'il est mort. Regardez, vous le voyez là. Mais tu vas payer pour ça, connard. Si on parlait de Jess, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh putain. Et là, il y a Emily, elle est toute seule de son côté pour l'instant. Oui, elle s'est fait choper par lui. Quand même des saloperies hein, dans toute cette histoire. Quoi? Oh merde! Oh merde! Putain, mec, en fait, tu voulais nous aider. J'ai l'impression qu'en fait, tu pars la chasse pour bloquer. Qu'est-ce que c'est? Hop, ça va, c'est ça. Super! Oh la vache! Ok. Ok. Okay. On fait baisser la pression et on va s'arrêter sur ça pour faire baisser la pression parce que là c'était vraiment trop tendu ce qu'on a eu. Oh bon, c'est que M est toujours en vie et que l'autre a pas l'air d'être mauvais puisqu'il l'aide. C'est à dire qu'il serait en train de combattre quelque chose parce qu'il sait, en tout cas il sait ce qu'il y a dans la mine. Après ce qu'il y a je ne sais pas. En tout cas sur ce je vais vous laisser, désolé si j'ai pas parlé beaucoup mais là il y avait trop de sensations. Franchement c'est vraiment génial Ultime pour ça parce que on se croit vraiment dans un film d'horreur, c'est un truc de fou et ça m'a vraiment foutu les jetons sur ce coup là. Ah franchement je me suis senti mal tout ça, j'ai eu trop de tensions. Oh c'était trop bien. Bah, enfin sur ce je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos et de Ultime hein. Et on se retrouve pour la suite toujours, allez ciao.